RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h23, bonjour Anniva. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes reporter de guerre, mais ce n'est pas un terrain de conflit guerrier, en tout cas sur le papier, que vous avez couvert ces derniers mois, mais bien la France, en année électorale, et vous publiez « Dans quelle France on vit chez Fayard ?». Vous êtes rendu dans 6 villes, qu'on pourrait qualifier de moyennes, hein, c'est-à-dire qu'elles ne dépassent pas les 50 000 habitants, en immersion totale, à la rencontre des Français. Vous avez découvert votre pays ? Oui, je l'ai découvert. Enfin, surtout, j'ai pris le temps d'aller à la rencontre de ces Françaises, de ces Français dans ces 6 villes. Mais je l'ai fait exactement de la même façon que je le fais depuis 15 ans dans les pays en guerre. Et en fait, c'est ça que je voudrais dire. C'est que les gens partout sont les mêmes. Et ce qu'ils veulent, avant tout, c'est qu'on s'intéresse à eux et qu'on les écoute. Et ils ont beaucoup de choses à dire. Ça veut dire que reporter de guerre ou enquêtrice, même dans un pays, c'est la même chose. Absolument. Parce que ce qui m'intéresse, même dans la guerre, c'est l'humain. Je crois que c'est ça que j'ai montré dans tous mes précédents reportages en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie. J'habite chez les gens, je suis en immersion, j'essaye de comprendre ce qu'ils vivent. Et c'est la même chose que j'ai fait en France. Et je vous rappellerai, Yves, qu'il y a quand même quelques politiques qui ont dit, à mon avis, fort mal à propos, que la France était en guerre, ou même dans une guerre civile. Pour moi, c'est indécent. Vous ouvrez votre livre là-dessus, c'était les propos notamment du président de la République après les attentats. Oui. Simplement, vous venez de me dire, finalement, ils ont envie d'être écoutés. Absolument. Mais qui ne les écoute plus alors ? Tout le monde, c'est-à-dire personne n'écoute les Français réellement. Tous les politiques vont aller faire campagne, vont se montrer sur des marchés, vont tenir les mêmes discours formatés, on y est tous habitués. Les Français ne sont pas dupes. Moi, j'ai été à Évreux, j'ai été à Lons-le-Saunier, j'ai été à Montluçon. Là, juste avant que je passe à l'antenne, j'ai une femme voilée, une jeune femme voilée, 27 ans, d'Évreux, Samira, qui sans doute nous écoute, qui me disait, ah, j'ai été tellement marquée par la rencontre avec vous. Ça, c'est important, c'est que vous nous avez écoutés. Et vous êtes encore en contact avec eux ? Mais ils sont tous en train de m'écrire en ce moment parce qu'ils lisent le livre. Le livre sort aujourd'hui. Ils sont en train de le découvrir et de découvrir ce que j'ai écrit sur eux. Personne, évidemment, n'a lu ce que j'ai écrit avant que ça soit publié. Et beaucoup de ces gens-là ne sont pas non plus des gens qui passent leur temps dans les librairies à acheter des livres. Et moi, je suis fière de cela. C'est intéressant parce que, je vous interromps, dans les écoles de journalisme, on nous apprend généralement à ne jamais montrer notre dernière copie à ceux que nous avons interviewés. Je ne l'ai pas montré. Ils le lisent une fois que c'est... Le livre, il est En fait, vous leur avez offert le livre exactement. Avant qu'il ne sorte réellement aujourd'hui. Absolument. Ça, d'abord, je trouverais ça indécent, justement, que je leur fasse payer. Les livres, ça coûte cher, malheureusement, mais il faut quand même en acheter. Mais donc, ils le lisent, le livre, une fois qu'il est prêt, une fois qu'il est imprimé. Et beaucoup pourraient ne pas être contents de ce que j'ai écrit. Mais ils sont contents tout en restant encore. C'est ça que je trouve très émouvant. Ils sont encore perplexes que j'ai été les voir, que j'ai été les écouter. Beaucoup encore me disent, mais pourquoi tu es venu nous voir ? Tellement ils ont cette impression-là qu'ils sont les oubliés. Oubliés, déclassés, dites-vous. Déconsidérés. Tout le monde veut de la considération. Y compris ceux à qui on ne donne pas tout le temps la parole. Et ça, c'est très important. Et moi, en faisant simplement mon travail de reporter, c'est un échange mutuel. Moi, je suis à égalité avec la personne que j'interviewe. Et de la même façon quand j'étais sous les bombes, à Bagdad ou ailleurs. C'est-à-dire, je n'avais pas un gilet pare-balles pour aller interviewer la personne qui, elle, n'en avait pas. On est pareil, on est égaux. Et ce côté mutuel provoque le respect. Et le respect fait parler les gens. Et les gens ont des choses à dire. Ce livre n'est pas un livre misérabiliste, c'est un livre hyper positif qui montre que les Français ne sont dupes de rien, ne sont pas aveugles et ont des choses à dire sur le pays dans lequel ils vivent, sur leur politique. Déconsidérés même quand ils ont un travail, c'est une des choses qui m'a marqué dans ce livre. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui en France, avoir un job, c'est déjà un truc formidable. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas parce que d'abord tous les jobs ne sont pas formidables et puis les contrats de travail ne sont pas formidables non plus. Allez en parler à Sidonie avec qui j'ai passé beaucoup de temps chez Pôle emploi à Montluçon. Elle aura beaucoup de choses à dire sur le fait que Pôle emploi est le dernier rempart contre la révolte. Elle me le disait presque en pleurant. Anniva, beaucoup de cette France que l'on qualifie d'oubliée ou de périphérique aujourd'hui est associée au vote Front National. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ? Alors, Et dans quelle proportion ? Effectivement, j'ai rencontré énormément de gens que je ne cherchais pas à rencontrer. C'est-à-dire, mon but n'était pas d'aller chercher des gens qui vont voter Front National. Mais
j'ai rencontré beaucoup de gens qui se préparent à voter ou ont déjà voté Front National. Oui, effectivement. Mais pas que. Mais même ceux qui votent Front National se posent des questions sur, finalement, d'abord, est-ce qu'ils vont voter Front National au second tour ? Ça, ils n'en sont pas sûrs. Donc c'est intéressant de savoir que même ceux-là se posent des questions. Et puis, je me rendais compte aussi qu'en les écoutant, il n'y a pas grand-chose qui pourrait les faire peut-être changer d'avis. Voter autre chose. Mais quoi ? Mais qui ? Cette personne n'existe pas. Donc, ça, c'est très important. Et puis, les gens qui vont voter Front National ne sont pas tous des diables, ne sont pas tous des racistes, ne sont pas tous des gens dont il faut se détourner dès l'instant où ils vous ont dit qu'ils allaient voter Front National. Il faut les écouter. Est-ce qu'ils iront voter ? Parce que on peut se dire aussi que le déclassement, ça conduit à la violence. Et d'ailleurs, c'est une des questions que vous soulevez dans le livre. Oui, mais la violence, elle est partout. La violence, tout le monde la sent. Je pense à Jean-François, un agriculteur allant, qui justement m'a dit au détour de notre discussion qu'il votait Front National. Mais surtout, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il en avait assez que les élus considèrent un champ comme un désert. Lui, il est exproprié à peu près de 2 hectares par an, hein, à chaque fois. Et les élus, les politiques, ont tendance à considérer un champ comme un désert, alors que pour lui, son champ, c'est toute sa vie. Donc, vous voyez, là, on voit le fossé qu'il y a entre les uns et les autres. Moi, je n'ai aucune autre prétention dans ce livre que de raconter ce fossé. Ce que j'ai trouvé très impressionnant dans ce livre, c'est finalement le fait que vous nous montrez une France où on a l'impression qu'on n'a plus de repères, c'est-à-dire plus de raisons de vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez la façon dont je l'exprime ? Oui. Et j'ai même un jeune homme, Tyson, à Évreux, 25 ans, qui pose une très bonne question, finalement. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ensemble ? On peut se la poser, cette question. Elle est triste à se poser. Et on vit peut-être mal ensemble. Mais moi, ce que je retiens de cette expérience quand même extrêmement personnelle, c'est la volonté de tous les gens que j'ai interviewés de continuer à vivre dans cette France qu'ils aiment et à s'en sortir. Ils sont comme des chats qui sont en train de tomber, mais qui vont retomber sur leurs pattes. Ils sont pas dupes, ils sont pas aveugles, ils ont de l'énergie, ils ont de l'humour sur eux-mêmes. Et ils sont capables de l'exprimer. Ils croient plus en le politique. C'est sûr, mais ils aiment parler politique. Ils aiment la chose publique, qui est la définition même de la politique. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont encore l'énergie de ne pas baisser les bras, même quand Absolument. Ils sont furieux. Mais ça, c'est la nature humaine. Et ça, je l'ai vu dans la guerre. Et c'est pour ça que je vous disais, on revient à ce que je disais au début, on est tous les mêmes, guerre ou pas guerre. On veut s'en sortir. Merci beaucoup, Adnieva, d'être venue nous parler de cette photographie française que vous avez menée en tant que reporter de guerre, nous disant eh bien, ce sont les mêmes méthodes que j'applique pour la parution de mon livre, pour ces Français que j'ai rencontrés dans ce livre qui paraît aujourd'hui. Dans quelle France on vit ? Aux éditions Fayard. Merci d'être venue nous voir ce matin sur RTL. Bonne journée à vous.